Ça représente l'aboutissement de 4 années de travail, de préparation d'un cheval, de le fabriquer, de l'amener jusque-là. Voilà. Et puis ça représente quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois. Donc là, ça va être la 5e. Donc voilà, c'est tout bénef, comme on dit. Ah bah, de toute façon, moi, Rio, aujourd'hui, je suis réservé, je suis 5e. Donc, ayant fait 4 fois les Jeux, 2 fois réserve, 2 fois en équipe. Là, aujourd'hui, bon, bah, je me mets à disposition de l'équipe de France à 200%, que ce soit à pied ou à cheval. Donc, faut que je sois prêt si, au cas où, on a besoin de moi, dernière minute. Et puis, je pense que c'est très important. Le 5e est quelqu'un de très important dans une équipe. Et il doit être au service de l'équipe à 200%. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté cette mission aussi, parce qu'il n'y a pas que la mission équitation, il y a la mission à pied. Et elle est très importante, à mon avis, pour apporter une médaille. Ses points forts, je dirais que c'est un cheval qui vous laisse jamais en plan, qui va toujours au bout de ce que je lui demande. Il a encore prouvé cette semaine avec sa chapelle, où là, vraiment, on a passé encore un cran supérieur. Il donne tout, toujours. Je suis en totale harmonie avec ce cheval. Dans les parcours, j'ai vraiment, c'est une sensation très spéciale, mais j'ai vraiment l'impression de faire qu'un avec lui. Je donne mes infos, il me donne les siennes et on... Voilà, c'est très spécial, très spécial. Ça, c'est la qualité du cheval. Après, je dirais peut-être le fait de ne pas avoir fait de championnat avec lui pour l'instant. Ça peut être un point faible et encore, j'en suis pas persuadé. Et puis, voilà, c'est tout. Il a tout, l'âge est bien, il est en forme physique. Non, franchement, il n'y a pas grand-chose qui pourrait me freiner si on me disait de partir demain matin dans l'équipe. Moi, j'ai accepté la 5e place, j'aurais pu la refuser aussi. Hein. Je l'ai acceptée, elle est honorifique aussi. Je veux dire, c'est voilà, de faire partie des 5 meilleurs cavaliers français couple avec les chevaux, parce qu'on parle de chevaux, hein. C'est pas les cavaliers, pour moi, c'est ces 5 couples. En faire partie, non, c'est pour moi, c'est, je dirais pas que c'est une victoire, parce que ça serait trop. Mais c'est dans un palmarès, d'être 5 fois sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui reste, voilà.